Nous avons une grosse salutation pour tout le monde qui va prendre un petit temps pour regarder la vidéo ça et déjà nous souhaitons bienvenue sur le channel. Pour même qui suivent donc pour la première fois, non pas c'est Amilcar Réveillé. C'est toujours pour nous un plaisir à chaque fois nous avons une chance pour nous capable porter pour toute information qui aider à gérer les finances. Donc dans cette vidéo à ce moment, nous allons parler de crédit score, de qui s'allier avec tout ça que nous devons faire. Pour que le crédit score nous capable d'être excellent. Donc, vous êtes branché dans tout métal. Comme nous l'avons dit déjà, dans cette vidéo, ça, nous allons expliquer qui ça crédit score est, avec tout ça que vous devez faire pour être capable de crédit score excellent. Avant tout, quittez nous dire que crédit score c'est un numéro qui est au bas ou selon information qui n'a crédit qui peut permettre institution financière qu'on est qui risque de gagner pour être capable de prêter au large. Gagner plusieurs facteurs qui déterminent crédit score. Facteur ça est divisé en 5. Premier facteur c'est permettre l'histoire. C'est façon que nous avons payé dette nous gagner dans le passé. Par exemple, si nous avons un crédit 4, mortgage, student loan, machine nous avons un crédit, est-ce que nous avons payé à temps ou bien nous avons pas payé à temps? À chaque fois que vous payez en retard, ça affecte le crédit score. Et pas oublier que catégorie, que facteur ça représente 35% du crédit score. Deuxième facteur, c'est amount owed, c'est quantité d'argent que nous devons. Par exemple, si nous avons un crédit 4, qui pourcentage nous utilisons dans le crédit que nous gagnons? Il recommandé pour nous utiliser moins que 10% des montants que nous gagnons sur le crédit 4 là, si toutefois nous voulons qu'un bon crédit score qui est excellent. Et pas oublier, facteur ça, il représente 30% des crédits score. Non? Troisièmement, c'est durée crédit. Depuis qu'il est, nous avons gagné un crédit ça. Donc, plus le crédit a gagné l'âge, c'est plus le bon pour le crédit score. Mais pas oublier tout, si vous avez un crédit 4, vous avez 10 ans avec, vous venez appliquer pour l'autre, vous pouvez diviser par délai ça, l'âge de crédit va 25 ans. C'est ça qui fait demander faut que nous prudents dans la façon que nous avons appliqué pour le crédit 4. Quatrièmement, c'est frequency of new credit. Chaque qui est nous appliqué pour le crédit. Il y a un bagage que nous devons connaître, c'est que à chaque fois que nous appliquons pour un crédit, gagner un inquiries qui montait dans le report. Inquiries, ça est capable, sauf inquiries, il est capable de faire des inquiries. Sauf inquiries, il n'a pas affecté le crédit, mais faire des inquiries, il a affecté le crédit. Donc, à chaque fois que nous allons appliquer pour un crédit, nous devons connaître est-ce que transaction ça que nous allons faire, l'a affecté le crédit ou bien non. Finalement, c'est type of credit used. Type de crédit, yo kon plize yo kapab gen kredi, ou kapab gen kredi kat, ou kapab gen mortgage, student loan, car loan. Don pe importe ki kantite kredi ko gen, men li toujou rekomande pou gen pou pipiti de tip de kredi. Kite nou palo de 3 gro biro kredi. 3 gro biro kredi sa ou ki a travè peyi ya, ki rele Experian, Transunion avec Equifax, c'est eux-mêmes qui génèrent toute information crédit. Par exemple, un monde qui n'a pas de crédit du tout, il n'a pas connu. Et qui côté rejoint information ça? Il rejoint information ça à partir des banques qui n'a pas dit la veille. Banque qui a un crédit 4 avec eux, ça a un mortgage avec eux, ça a une machine qui a acheté à crédit avec eux. Donc, information ça, yo voye yo bay 3 biro kredi sa yo. Et c'est à partir des informations sa yo que yo pral bay nou yon credit score. Même j'en ai gagné 3 credit report, c'est-à-dire yon credit report dans chaque biro sa yo, c'est même j'en tout n'a gagné 3 credit score. Yon credit score dans chaque biro sa yo. Credit score lui-même lui varie de 300 à 850. Mais les divisé en 5 catégories. Grande catégorie
qui c'est pour, c'est-à-dire lorsque vous gagnez pas de crédit, lorsque vous trouvez dans l'intervalle 300 à 579, laissez ça vous gagnez pas de crédit, ou pas de bon crédit. Pas de banque cap de la volée, ou pas de bon crédit. Si vous dans la catégorie ça, dégagez pour améliorer la situation parce que vous pas appliquer pour aucun crédit. Deuxième catégorie, c'est les gens qui trouvent entre 580 à 669. De ça, on dit que un crédit qui fait, un crédit qui passable. Donc, ou capable de jouer un crédit, ou capable de jouer un mortgage FHA loan, vous avez droit à un mortgage FHA loan, mais vous avez connaît que vous pouvez payer en pile intérêt. Ou approuver tout pour acheter machine, mais on déjà connaît que vous pouvez payer en pile intérêt. Donc, vous avez raison pour piquer pour devant chercher un crédit score qui pique. Bon. L'autre vous dans 670 à 799, il dit que vous avez un bon crédit. Ou plus ou moins, les ça. 740 à 799, vous avez un crédit qui est très bon. Et 800 à 850, c'est là, ça. Il dit que vous avez un crédit qui est excellent. Donc, c'est le niveau ça pour nous tout à chercher pour nous. Quel que soit dans 5 ou 8 qui est plus bas, cherchez pour vous excellent parce que il y a un pile avantage pour lorsque vous avez un crédit score qui trouve entre 800 à 850. Non seulement tout le monde a cherché pour le protocole et ou pas payer en plein intérêt par rapport à toutes les catégories. Donc nous avons raison pour nous travailler crédit pour que nous arrivions dans un crédit qui est excellent. Mais qui façon pour nous améliorer le crédit score? Payer tout le bill nous à l'aide. Quel crédit balance nous? Pas. Par exemple, sur un crédit 4, utilisez moins que 10% là-bas. Laissez un crédit score être excellent. Pas appliquer pour plier un pile crédit 4 en même temps. Pas oublier que nous te dire que à chaque fois que vous appliquez pour un crédit, il y a une crise qui monte. Donc faut nous déterminer pour nous connaître que transaction ça me va le faire. Est-ce que la gain a une crise qui monte dans crédit ou bien là. Rectifier tout ça qui pas correct dans crédit. Il y a un pile monde qui gain bagage négatif dans crédit et c'est ça que fait toujours recommander faut gagner un crédit report dans mais pour connaître qui bagage négatif qui gain sur lui en façon pour capable faire dispute pour. Et enfin pas faire mes crédit 4 côté ouvert déjà. Donc conseil ça nous considérer que si nous mettons en application n'a bon crédit score qui excellent et si toutefois tout ou bon crédit qui bad ou bien pour qu'on gagne crédit ou dis-moi si vous avez une catégorie qui a besoin d'améliorer le crédit pour venir plus bon toujours, vous capable de contacter. Nous avons aidé. Et laissez ça pour capable gagner un crédit score qui est excellent. Et laissez ça toute banque à chercher pour le protocole. Et lorsque vous prêtez tout, vous payez un intérêt qui est très bas. Donc c'était tout le conseil que nous avons pour nous asseoir. Nous souhaitons nous passer une bonne nuit et nous croiser dans d'autres vidéos.